Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir la méthode la plus simple pour ajouter une personne en tant que contact sans rien écrire depuis WhatsApp. Alors WhatsApp dispose d'une fonctionnalité qui va nous permettre de partager ou de scanner un code QR pour ajouter une personne à notre liste de contacts sans rien écrire. Pour ce faire, vous allez commencer par lancer l'application WhatsApp. Après, vous allez sur les trois points ici qui représentent le menu de l'application. Vous appuyez. Après, appuyez sur Paramètres. Et là, vous trouverez ce carré. Donc, j'ai ici deux téléphones. En appuyant sur ces petits carreaux, on trouvera deux possibilités. Mon code et scanner le code. Ça, c'est un code QR. Votre code QR est privé. Si vous le partagez avec quelqu'un, cette personne pourra le scanner avec la caméra de WhatsApp pour vous ajouter en tant que contact. Ou vous pouvez scanner le code d'un autre téléphone en allant cette fois-ci dans l'onglet « Scanner le code ». Je vais appuyer sur la même chose sur ce téléphone ici, je l'active, et je vais scanner en utilisant celui-là, scanner l'autre. Voilà, ok. Voilà, je me suis redirigé directement vers la discussion de cette personne. Moi, puisque cette personne, je l'ai déjà dans mes contacts, moi, Samsung. Alors, si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous allez pouvoir l'ajouter en utilisant tout simplement ce code QR. Ce code QR, vous pouvez aussi le partager avec les autres pour qu'ils puissent vous ajouter à leur liste de contacts. Pour ce faire, allez dans Mon code, appuyez ici sur le symbole de partager et choisir le partage soit via WhatsApp, Yahoo, TikTok, Android ou autre plateforme. Et après, choisir la personne vers laquelle vous souhaitez l'envoyer. Une fois reçu, cette personne, tout simplement, va le scanner avec la caméra de son WhatsApp et la personne sera ajoutée automatiquement à sa liste de contacts. C'est une méthode très simple qui facilite l'ajout des personnes en tant que contact en utilisant WhatsApp. Voilà donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, oui, vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et aussi activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous rencontrerai très prochainement dans une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet.